Where is everybody off? They're dead, Dave. Who is? Everybody, Dave. What, Captain Hollister? Everybody's dead, Dave. What, Todd Hunter? Everybody's dead, Dave. What, Selby? They're all dead. Everybody's dead, Dave. Rimmer? He's dead, Dave. Everybody is dead. Everybody is dead, Dave. Wait. Are you trying to tell me everybody's dead? 単刀直入に言おう。君は人を切れるか、切れ事を言うつもりはない。これは人殺しだ。だが新たな世を作るには、古きものを打ち壊さねばならない。新時代のため、君は人を切れるか。Mort du joueur sur l'autel du personnage, sacrifice humain et renaissance fictive, on va parler de ça ici. Ouvrir un jeu, c'est créer de la vie, et pour paraître vivant dès le début, quoi de mieux que représenter la naissance d'un personnage ou du monde, s'adresser à l'inconscient du joueur par fécondation ou possession métaphorique, équilibre du féminin et masculin, symbole d'accouchement, bref, rejouer la création universelle. Certes, c'est très bien, mais d'abord il faut tuer le reste. Créer et raconter l'identité corps et âme d'un personnage à jouer passe par la mort symbolique du joueur, du monde réel que l'on efface, tandis qu'on remplit le joueur avec le jeu et la naissance ou renaissance d'un personnage. Du coup, on commence avec ce truc sympa, la mort, en début de jeu. Il y a par exemple l'exécution, la chaise électrique, comme avec le psy de Shattered Memories, le condamné est assis, mains et tête rivées, parcouru par le courant électrique, puis mort, et réveillé dans le jeu, comme le joueur, main sur le périphérique, allumant sa machine. L'électrocution subjective, ou en plan moyen, est un effet de miroir. Entre le héros de Bon Baiser d'Outre-Tombe et le joueur, il y a déjà un dispositif commun. Ça, ou lobotomie, trépanation, tout ce qui efface un esprit, laissant une enveloppe charnelle intacte. La pendaison, plutôt en vue subjective, la tête passant dans l'anneau de la corde et regardant la trappe, écran où le corps s'engouffre. La noyade, qui marchera mieux qu'une mort par balle, endommageant le corps réceptacle. Sa mise en scène compte moins que l'idée, elle peut même être hors champ. Quand on parle d'immersion, ce n'est pas pour rien. L'intro tempête en mer classique sert littéralement à immerger le joueur et rejouer le liquide amniotique dont on s'extrait vers la terre ferme, la naissance. Un œuf pourra par exemple appuyer cette idée. La noyade fonctionne comme l'injection par seringue, qu'on a déjà vu. Ça, plus la plongée dans un livre, qu'on verra dans une émission suivante. Corps immergé et inondé intérieurement par un nouveau milieu, par le jeu lui-même. Mortel ou pas, la noyade a aussi valeur de baptême, rite d'intégration. On peut le sentir dans Amber, avec sa boule de lumière, ou Bioshock, bourré de symboles, qui joue la naissance jusqu'à la césarienne, ventre scaphandre, et Bioshock 3 avec un mort étouffé assis, visage caché, mains liées, anticipant la noyade et renaissance à venir, baptême explicite. Pour un jeu qui s'ouvre sur l'océan, avec hommes et femmes, vers un phare phallique qui nous gicle jusqu'au ciel, accouché en paradis. Je détaillerai l'intro des trois opus dans la partie pot-pourri. Suicide et gueule de bois, avec Maria sur Saturne. Suicide forcé dans Bioshock 2, par télépathie, façon Scanners de Cronenberg. Manipulation psychique qui résonne en début de jeu, résumant un rapport joueur-cerveau-personnage-corps ou pantin. Cadavre décoratif, charnier puis chute, eau, tunnel et renaissance pour le reboot de Tomb Raider. Assassinat, avec Nomad Soul, où l'on arrive et on meurt. Max Payne, Final Fantasy XII, Baton Kaitos 2, qui revisite l'ouverture de Chrono Cross. Rêve, flashback, mondes et identités parallèles, puis assassinat. Dans Chrono Cross, plus personne, même sa mère, ne connaît le héros. Dans Baton Kaitos 2, à l'inverse, famille et amis nous entourent, mais on ne connaît personne. On n'est pas celui à qui il croit parler. Je détaillerai ces deux jeux dans la partie sur les contes et les mythes. La mort ou disparition d'un proche aide l'association au jeu et le transfert. Le héros ressemble au père, frère ou sœur qu'il remplace symboliquement. La quête du père comme quête identitaire est très pratique. Jeu et joueur étant liés par l'origine, le lien du sang. Le deuil initial, simple et connu, offre un moteur compréhensible par tous. Vengeance, nouvelle couleur du héros, passé lourd, traumatisme, etc. Donc profondeur facile, voire mystère, si on ne sait pas qui est mort ou pourquoi,
comme c'est le cas dans Eternal Darkness, Silent Hill 2 ou Shenmue. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. Oh, none of this makes sense. Well, you better find out who did this. Valkyrie Profile ou Resonance of Fate font même du deuil un ton pour le jeu tout entier. Les Japonais emploient souvent la mort comme support psychologique solide, alors que dans The Last of Us, par exemple, le sentiment de paternité du héros reste à retrouver, mais le deuil de sa fille est déjà fait. Bref, fêlure, accident, drame initial, Bravely Default ou Omega Toki, temps et monde cassés, tombe, deuil, cimetière. Dans Sans Soleil, Sandor Krasna évoque avec Pac-Man un jeu vidéo qui circonscrit l'existence et prévient la mort. Les jeux vidéo sont la première phase du plan d'assistance des machines à l'espèce humaine, le seul plan qui offre un avenir à l'intelligence. Pour le moment, l'indépassable philosophie de notre temps est contenue dans le Pac-Man, peut-être parce qu'il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente, à leur juste dose, les rapports de force entre l'individu et l'environnement. Et il nous annonce sobrement que s'il y a quelque honneur à livrer le plus grand nombre d'assauts victorieux, au bout du compte, ça finit toujours mal. L'intuition d'une fonction du jeu vidéo, notamment rituel, sacré, mystique, échange, dialogue, négociation avec la mort ou communication avec les morts, à l'exemple de cette anecdote d'un joueur qui s'aperçoit sur une vieille sauvegarde d'Animal Crossing que sa mère lui a laissé des choses dans le jeu, objets, lettres, etc. Bref, trans, objet psychopompe, le jeu vidéo comme animal absolu ou passeur chamanique, peut-être aussi entéogène qu'amanite, peyote, le salvia, quoi qu'il en soit en jeu vidéo, ça crève à tour de bras, y compris le héros. La façon dont mort, douleur et deuil servent de socle au récit japonais leur appartient beaucoup, et l'ouverture en cataclysme leur est chère, le reste me semble plus universel. L'intro naufrage presque noyade, c'est Zelda, Story of Thor, Lost in Blue certes, mais aussi Another World, plus symbole natal qu'insulaire par exemple. Il y a aussi le symbolisme de l'exorcisme, la possession, réverbération, écho, un être double pour le joueur et le héros, rémanence du passé, transfert du héros. Enfin, il y a l'enterrement ou l'incinération métaphorique, une boîte fermée dans laquelle on a mis quelque chose, que l'on jette pour faire place au héros ou au joueur, ou encore la chute mortelle, ou bien la mort dans un rêve. Ce sont là les principales façons d'introduire la mort, mais il y en a de plus originales. There's a place you're always welcome. That's death. All of them are here. J'ai beaucoup parlé de symbolisme sexuel depuis le début de ces émissions, parce qu'il n'a pas pour seule fonction d'exciter le joueur avec des images plus ou moins suggestives, il sert surtout, en début de jeu, à décrire un ordre naturel, fécondation, grossesse, naissance, qui servira à accueillir le joueur. Je vais m'appesantir sur la naissance parce que c'est un lieu commun absolu des débuts de jeu, une convention fermement établie et pas toujours littérale. Dans Chino Rondo, une vierge sacrifiée, pénétrée et assassinée, enfante entre guillemets Dracula. Héros, Thanatos, vampires, rien de très original, mais l'intéressant c'est qu'on peut exprimer la naissance de façon diverse. Dans la démo de Dead Sun ou Soul River, ce qui pour moi relève de la symbolique de la naissance, avec père, mère, fécondation dans un liquide fou, et pourtant une scène de mise à mort du héros. À l'instar de la noyade, jouant à la fois mort et naissance. Donc la mort d'un personnage peut être simultanément la naissance symbolique du joueur, dans un effet de balancier, un échange. Ça, ou la mort symbolique du joueur, pour accoucher le personnage, donc, dans les deux cas, ça saigne. Bon, maintenant on peut passer du côté joyeux de la vie. La découverte du corps est souvent une parabole de la naissance, toujours pour créer du lien avec le joueur. Comme outil connu pour raconter la vie, le corps et l'esprit d'un être en jeu vidéo, on trouve par exemple dans la chronologie de la naissance, l'obscurité, avant la vie, la nuit utérine, celle des mythes fondateurs, qui illustre aussi fécondation planétaire, naissance, on verra ça ailleurs. Bref, la nuit et le désir, force tellurique ou cosmique, notamment avec la lune, qui pourra aussi évoquer âme ou ovule à féconder, associée à un personnage féminin par exemple. Bref, une source vitale et occulte, versant virtuel de la réalité solaire. Bayonetta aligne nuit, cimetière, un homme sombre, gros et bruyant qui urine sur une tombe, puis jette un cigare, renverse une tombe, ray de lumière céleste, la Bible chute, une femme claire, fine et discrète s'envole, tout un jeu des opposés et d'attraction verticale, magnétique et lunaire pour l'héroïne, terrestre pour l'homme. Le sexe féminin, rubis, pierre précieuse,
boules rouges clitoridiennes, fentes, mines, canyons, grottes, ruines millénaires, portes immenses, etc. La pénétration, trains et tunnels, portes qui s'ouvrent, hymen percé, portes enfoncées, rideaux déchirés, voitures dans une forêt noire, etc. Donc, l'acte sexuel, bataille, bosse, objet phallique, piston, percussions sourdes, battements de cœur, marteaux réverbérés, échos, simili voix informatique de femmes et d'hommes dans les ruines d'une usine de fabrication d'êtres vivants pour Panzer Dragoon Saga, avec le thème Pass to the Being, la voix de l'être, ou marteau encore et voix d'homme pour Silent Hill 2 alors que Maria, mère christique, se fait percer. Lumière dans la nuit, objet d'obsession et mort qui nous attire, Big Bang, tempête, démon, épée, feu, nuit, lune, femme. Le tonnerre, c'est l'acte procréateur à son climax, nocturne, puissant, primordial. Neige devenant pluie dans Shenmue, fécondation symbolique. Comme dans Lost Odyssey, où le héros est seul spermatozoïde survivant, ou dans Panzer Dragoon Saga, pistolet, canyon puis spermatozoïde encore. Bref, on illustre la fécondation, également à coups de larmes, boule de lumière pénétrant un corps, ou évoluant dans un canyon. Graines, fœtus injecté dans le crâne. Héros surpassant son père, spermatozoïde vainqueur jeté par papa dans un vortex infernal, puis gestation, ventre, grotte, cage, ou encore œuf. Sphère qui gonfle, fœtus, réverbération, voix féminine et lumière tamisée, bref, les perceptions prénatales. Il y a aussi le liquide amniotique, Pamela par exemple, océan ou pluie dramatique, Chino Rondo, Ocarina of Time, Metal Gear Solid 2, Shenmue, où la douce neige devient tonnerre et pluie donc. Des forces divines interviennent, magie, ainsi qu'un effet de réel qui aide tous deux l'immersion. Comme la tempête, le liquide peut associer désir, acte sexuel, gestation, ou encore perte des eaux et naissance d'un corps sortant de l'eau, l'océan primordial, berceau des espèces. On arrive donc à l'accouchement, cri dans la nuit, mère ou bébé, Vestale quasi nue dans le noir entourée de lumière de Bravely Default, sur laquelle tombe un ray de lumière, puis porte ouverte donnant sur un joyau sacré, source de toute la vie. Chino Rondo redouble le motif, avec une future mère du vampire entourée de tueurs pervers, percée verticalement vers le bas, suivie du héros, entouré de morts, qui perce verticalement vers le ciel. Crucifix giclé au ciel, spermatozoïde sacré et pur, ray de lumière, énergie et effets verticaux à foison comme pour Bayonetta, le jeu vidéo ne fait que récupérer les ficelles bien huilées que la production pour adolescents affiche ailleurs. Sentai, Metal Hero, animé shonen et côté toute puissance virile, on est aussi très bien loti outre-manche. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Larmes, sang, fuite du liquide amniotique, sortie à l'air libre, portes, couloirs, tunnels utérins, arbres écartés ou néants, ravins, chutes infinies, plongées profondes, nouvelles sensations, dans Deep Fear ou Mist. L'homme n'est pas fait pour voler, mais on le fait ici. C'est aussi toute une idée du jeu vidéo. Rien ne prédispose à l'interaction sur bouton, par exemple, mais ça fonctionne. L'ouverture en chute libre ouvre le champ des possibles. Mouvement de A à B vers cauchemar et monde parallèle, chute et perte de repères à l'opposé du tutoriel qui clarifie tout. Dans Solution 1112, une silhouette tombe, cauchemar de chute infinie et voix féminine, puis réveil, femme, maison, radio réveil. Ici, la chute est simultanément celle du héros et d'un bébé accouché dans le réel. Eternal Sonata consacre la chute dans le noir comme départ mortel, puis célèbre la création de l'univers, oiseaux, fleurs, océans, etc. Encore une fois, symbolisme natal et mortel se confondent. La perte de repère crée un vide, un nouvel état, nouveau corps. Ça concerne autant les angoisses de mort que l'accouchement, qu'on illustre parfois à l'inverse par une remontée, sortie difficile du ravin, naissance ardue dans Panzer Dragoon Saga et Wild Arms, voire césarienne dans Bioshock comme on l'a vu. Après quoi on coupera le cordon ombilical, chemin perdu, train déraillé, corde ou pont coupé, séparer une équipe, tout cela revient à couper le cordon, utile pour se sentir seul et perdu dans un jeu d'action ou d'horreur, pour limiter l'espace, le travail de level design, comme fermer la porte et la marche derrière le héros. Et bien sûr, ça finit d'accoucher le personnage, comme traverser un rideau, miroir, cascade, grande porte, etc. On évoque peut-être aussi le placenta,
par des corps sanguignolants informes, disparaissant au profit d'un autre corps survivant, le héros, l'ouverture massacre par exemple, accoucheur, mère et père, famille, ange, voix de cœur comme dans Shadow of the Colossus, voix off, voix et silhouette féminine sur l'écran titre de Panzer Dragoon Saga, puis découverte du corps par création d'Avatar, d'abord nu, corps pourri dans Soul River, double, jumeau dans ce qu'on peut voir de Dead Sun, avec père et mère, puis corps squelettique, et incarné à nouveau, ou résurrection dans Bloodborne ou Panzer Dragoon Saga encore. On évoque aussi le décor avec berceau ou hôpital, Bloodborne, Bioshock, D. Nuit, voiture, lune, hôpital, cadavre et enfin miroir ou passage magique vers un autre monde, simultanément pénétration dans le jeu et naissance symbolique toujours. Metal Gear Solid 5, ramper, marcher peu à peu, Zone of the Enders 2 et son robot lourd et lent, bébé aux gestes erratiques, voix de la mère et silent protagoniste, toute une idée du monde, œil qui s'ouvre, lit, réveil, on peut aussi jouer sur l'échelle, espace gigantesque comme perçu par un bébé, ouverture lilliputienne dans un décor imposant, comme dans la démo de Final Fantasy XV. Au fond, le tuto sert à apprendre à marcher, je l'ai déjà dit, c'est la petite enfance ou l'apprentissage du langage dans un rapport maître-élève ou parent-enfant avec le joueur. Des animaux pourront illustrer l'enfance, l'avant-civilisation, ou pourront porter la mort, fonction totémique comme le feu purificateur, papillon d'ennemi zéro ou de Yumemi, ou bien corbeau chamanique qui transfère l'âme de notre personnage dans Chaos Legion, Nanatsu Kaze no Shima Monogatari, Resident Evil 4, Fahrenheit, Tengai Makyo 4, panoramique verticale céleste, sacré ou occulte sur un ciel d'orage, cimetière, corbeau, croix dressée affichant une chimère gémellique, Janus à deux têtes, homme-animal, crâne, ange et démon, silhouette, je répète beaucoup les mêmes choses parce que les jeux eux-mêmes se répètent, c'est ça qui me saute aux yeux. Le jeu vidéo réinvente rarement sa roue comme si une trentaine de symboles à l'ordre aléatoire permettaient d'introduire n'importe quel jeu. Faucon de Shenmue avec soleil, chute, canyon, femme, prophétie, sphère et boule de lumière joueront encore également le rôle de l'âme. Dans la croyance japonaise ancienne, l'âme est ronde, tamashi, tama, boule. L'esprit du personnage sera, lui, palpable par les mots, le monologue d'intro que l'on a déjà vu. Attaqué par des forces que l'on appelait autrefois les énergies de l'enfer. Ce sont là quelques effets natalistes dans le jeu, mais pour saisir le joueur avant ça, il y a des salons, des trailers et des jaquettes. Zelda Breath of the Wild, par exemple, dont j'ai juste vu le tout début, utilise déjà bien le symbole sexuel en amont. Avec ce trailer, grotte ouverte, weak point et monstre rose, puis épée arthurienne en raies lumineux, masculin superposé au féminin, montagne brumeuse fendue et fleurs qui poussent sur un titre où l'épée et le nom de la princesse s'en mêlent. Ou bien sur la jaquette donc, homme et épée face à un château féminin, marqué par un point de lumière équivalent de la pierre précieuse ou lumière dans la nuit obsessionnelle évoquée précédemment. À ce moment, on a déjà pavé l'envie chez le joueur, qui portera le jeu en lui comme un enfant attendu impatiemment, et on a campé l'acte procréateur de sorte que le jeu, très attendu, peut commencer par un accouchement, caisson ventral, liquide amniotique et perte des os, le fameux réveil-naissance de jeux vidéo, chemin de lumière, yeux et portes qui s'ouvrent, œil larmoyant et voix de la mer vers l'infini du monde. Une naissance complète, comme dans L'île aux sept vents, déjà évoquée, qui résume aussi tout ce qu'on vient de voir, noir, œuf, choix du nom, chute du héros Poupon d'ailleurs, animaux, naissance ou mort et répétition de la naissance, avec graines et arbres à la fois phalliques et ventrales à quitter, en répétant le nom de la porte, comme arriver à dire maman, ou un premier mot en l'écrivant ici pour un jeu assez preschool, je pense. J'ai aussi évoqué Lack of Love et sa naissance sans métaphore, création de la vie, jeu évolutionniste comme Evo, mais encore une fois la plupart des jeux jouant la naissance avancent déguisés, pour ne pas infantiliser le joueur trop explicitement peut-être. Pour renforcer l'effet de prénatal et de naissance, on peut limiter l'image. Les nouveau-nés ont rarement les yeux ouverts, mettre l'accent sur les autres sens, de longs fondus au noir, vibrations, battements de cœur ou d'horloge pour Chrono Trigger, c'est aussi moment de faire dans la pureté, avec le piano par exemple, l'ancestral, le sacré ou le tribal avec les percussions, jouer quelque chose d'intime et ventral, basse fréquence vibrante, voix féminine prénatale voilée par le liquide amniotique, son cristallin, ou comme Final Fantasy VIII, cœur d'homme et de femme se répondant en latin.
Donc l'évocation de quelque chose de lointain, avec deux hommes opposés, comme dans Chaos Legion, Vagrant Story, Resident Evil 5, un côté grandiose, hors du temps, une quête qui nous dépasse, etc. Contre-champ, écho, réverbération ont un effet puissant. Pour citer La Maison des Feuilles, livre dont je reparlerai plus tard, page 46, ce n'est pas un hasard si des chœurs chantant des psaumes sont presque toujours enregistrés avec une ample réverbération, la divinité semble définie par l'écho. Le sacré semble toujours habiter la province du caverneux, fin de citation. C'est aussi une idée de la perception sonore prénatale, sans limite exacte. La forme est encore en construction, ça peut servir à raconter un état initial du joueur avant qu'il n'habite le jeu en autochtone adulte. L'écho, c'est l'être mythique, la nymphe, et l'objet physique permettant de se situer, se définir, ou créer un flou, et dans le cas du jeu vidéo, initier la grammaire par l'élément structurant qu'on trouve dans la quasi-totalité des jeux, la répétition dans l'interaction. La voix est un son magique. Alfred Tomatis décrit une expérience où des gens écoutant la voix de leur mère filtrée sous l'eau se mettent à pleurer, en position fœtale, dans un état second, ou encore voix des anges, les accoucheurs. Le son nous projette dans un autre monde. Par exemple, dans les pièces radiophoniques de Yann Parentoen, le son occupe tout notre esprit. Bref, l'ouverture est idéale pour se concentrer sur le son et aller étape par étape dans l'interaction, étirer le temps par la musique et donner le ton, aventure, drame ou les deux. Chrono Cross nous laisse presque une minute sur un décor quasi fixe avec texte lent, musique très progressive et voilée pour tout accompagnement, et c'est une ouverture envoûtante fantastique. Legaia 2 a un très bel accouchement en fin de jeu pour un RPG à l'austérité visuelle parfaite avec purgatoire, sphère puis joyau de l'espoir, douceur, clochette enfantine. Cascade et biche comme Shadow of the Colossus, bref, renaissance doucereuse qui achève le jeu comme on l'ouvre généralement, c'est-à-dire en élargissant. L'écho, les gouttes du morceau Children de Robert Miles par exemple, comme une tache qui s'étale et grandit, ça fonctionne très bien pour évoquer l'enfance, et c'est d'ailleurs par plagiat interposé le thème de Rock dans Mark of the Wolves, double figure du fils, fils adoptif du héros et fils biologique du grand méchant des Fatal Fury. En ouverture, l'élargissement d'un motif est donc un bon mouvement de A à B pour créer simplement de la vie. On va du particulier au général, du noir au décor, du silence à la voix, celle de la mère ou du héros. Voilà, on a vu mort puis naissance, mais ce qui compte c'est aussi l'articulation des deux. La mort sert bien sûr de support de renaissance, résurrection, réincarnation, remplacement, ubiquité, faille dimensionnelle, folie, clonage ou éveil, et apparition d'un nouveau personnage, création d'un avatar, etc. Du coup, le tandem mort plus naissance est très courant. Est-il intéressant de croiser ou confondre les deux ? En jeu vidéo, je crois que oui. L'individu meurt, le joueur, personne ou fonction apparaît, et ou le personnage naît. Par exemple dans Panzer Dragoon Saga comme on l'a déjà vu, ou dans La Mer Zone. Un vieillard meurt et on doit rendre un œuf blanc pur à la nature. Fraîchement mort et pas encore né, les opposés s'enchaînent, un homme s'achève et un personnage joueur le relaye. Outils d'exploration des infinis, des imaginaires, des mondes et espèces disparues, donc lieu de communication avec la mort et lieu d'exploration du plaisir viril. À l'instar de Sad, le jeu vidéo confond allègrement Eros et Thanatos dans un cortège foutraque de monstres ennemis, squelettes, combats à mort sempiternels et décolletés et hontés pour que la sauce prenne bien. Pulsion, désir et sang, c'est la fameuse petite mort, plaisir brutal à l'effet orgasmique, toute puissance virile. Le jeu vidéo n'a pas été le dernier à jouer du sang, virginal ou meurtrier. Si on croise autant images sexuelles, natales et mortelles, c'est parce que c'est un trio gagnant. Sexe et mort, puissance par meurtre ou domination, tout ce dont le joueur préadolescent et adolescent est censé rêver, d'après les industriels qui se chargent de la culture de masse. En jeu vidéo comme ailleurs, la fascination pour la barbarie, mort sacrificielle et ses glorioles héroïques notamment, prend parfois un tour sentimental. Mais surtout, donc, premier degré aidant, un ton érotique. Nombre d'artistes ont mieux éclairé ce rapport que le jeu vidéo commercial, mais ce que ce dernier raconte sur ce lien, entre les lignes, peut être intéressant. Il semble que la mort est la sœur de l'amour. De 20 ans à chevelure rousse en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort. La mort.
Bref, désir, jouissance et mort, c'est une vieille formule que le jeu vidéo a aussi su faire fructifier, avec fécondation et naissance après l'acte sexuel pour accueillir le joueur donc. Il y a pléthore d'exemples d'ouverture par mort sanglante et naissance symbolique enrobée de désir. L'introduction de Splatterhouse est brutale, forêt, nuit, pluie, homme et femme qui entrent, une femme crie, mort, renaissance, cri d'accouchement peut-être, et masque de hockey mortuaire pompé à vendredi 13, Splatterhouse 2 est encore plus complet avec héroïne et conduit utérin. Splatterhouse 3 allonge rubis tournoyant, visage fou, masque et lune, femme sur fond blanc, porte, naissance, etc. Le reboot de 2008 de Splatterhouse fait la synthèse de tout ça et caractérise les personnages parce que c'est un jeu plus narratif, viande, corps sans visage et voix qui dit « je suis dans ta tête, personne ne comprend, c'est notre secret, etc. » quand on règle le volume. You think it, I hear it, same in reverse. You hear me, but no one else does. Les menus jouent déjà le lien au joueur, puis on trouve du sang qui coule, une voix au loin, mort et naissance confondues à fond, le héros renaît aussi sec, métamorphosé, le sang réinjecté en lui, un plan sur ses mains et le masque qui donne le « là, tu me portes, je t'habite ». Ça s'adresse donc au joueur. Puis comme dans Nihar, on trouve un massacre de corps incompréhensible, monstrueux, dont le corps du héros ressort confirmé, comme pour le village massacré de RPG, le meurtre d'un boss au début du jeu, table rase évoquée dans l'émission précédente, dont le but est peut-être de présenter divers personnages pour les écarter et n'en garder qu'un seul, le nôtre. Sélection naturelle renforçant le sentiment de vie alors qu'un autre meurt, sentiment d'être choisi à raison. Prédestination divine par exemple. Pour rester dans des représentations archaïques comme le sacrifice de la Vierge et ou prêtresse de Bravely Default, Chino Rondo, Eternal Sonata, etc., dans le genre cataclysme fondateur originel comme tempête, tonnerre, boss ou bataille, plus fort aussi que le début crépusculaire du jeu noir japonais, Yuyami Dori Tankentai ou Omagatoki par exemple, il y a l'éclipse. Lune féminine, Sélénée, Hécate, déesse lunaire et mortelle, lune noire, etc. et dieu solaire, paternel, Hélios, ray de lumière virile d'Apollon, qu'on a déjà vu, symbole commun à moult cultures et époques, l'éclipse est fin ou commencement du monde, ici miroir du réel vers le jeu, et symbole de l'acte sexuel où lune et lumière s'alignent. Dans le Splatterhouse de 2008, qui prête un visage aux astres, cet écran de chargement et de chapitrage accouche le personnage, le moteur du jeu et le jouable. Le masque le dit, c'est bon d'être enfin libre, histoire d'appuyer le sous-texte. Bref, triade lunaire féminine grecque ou triade solaire d'Héliopolis, ville du soleil à base de dieux masculins égyptiens, lancer un jeu par un ou des astres, c'est commencer par l'origine avec une force supérieure qui élargit tout, mais là j'empiète sur la partie mythe et conte, et c'est encore une façon de croiser Eros, mort et naissance, comme ici dans Splatterhouse, mort, naissance, meurtre. Au passage, je reprends ces deux bouts d'intro, Devil May Cry, femme jaillissant de la lune, forte, libre, moderne, et Splatterhouse 2, la vieille garde, avec fiancée en détresse s'enfonçant à l'inverse, au fond d'une viande informe. C'est peut-être un exemple d'évolution des mentalités, même si Trish de Devil May Cry reste un personnage secondaire, et que la très lunaire Bayonetta, par exemple, est représentée comme objet de fantasme. En théorie, le jeu cinéma oblige à caractériser un peu plus les personnages, la princesse à sauver ne suffit plus, mais c'est pas forcément féministe pour autant, et revenons à nos moutons. Du côté des tandems mort-naissance, il y a aussi Bloodborne, avec du sang et un landau, chute de la goutte qui se diffuse, se mélange, puis panoramique du ciel à un landau, abandonné, les deux plans fonctionnent en écho l'un de l'autre. Frankenstein, le postulat du jeu vidéo par excellence, avec un mort ramené à la vie. Nihar, mort de l'enfant puis ellipse, flashback magique, le monde a changé, la fillette est vivante, juste réveillée, sur fond de maladie, vide, absence maternelle, avec pourtant une voix féminine qui accompagne le jeu via les chansons in-game. Eternal Sonata, mise en abîme au seuil de la mort de Frédéric Chopin qui rêve d'un monde musical et de la mort, qu'on trouve dans son lit entouré d'une femme et d'un médecin, symbolisme de naissance et mort confondus, avec fleurs, lune et nuit comme pour Valkyrie Profile, où la maladie aussi rôde comme la misère. Soul Reaver, condamnation du héros dans une imagerie de fécondation, puis renaissance avec un corps cadavérique, ou bien Planescape Torment qui développe le thème de la mort très en longueur.
Un peu de détails maintenant avec un autre jeu célèbre. J'ai déjà comparé l'ouverture de Resident Evil 5 à celle de Silent Hill 2, qui utilise les mêmes outils de façon différente. Spectaculaire dans le premier cas, plus mesurée et frappante dans le second, mais j'aurais pu simplement comparer l'intro de Resident Evil 5 à celle de Resident Evil 4. Même recette, mais avec de la solitude, peu de personnages, une langueur dans la mise en scène, un sens de l'enfoncement, de la perte de repères avec la forêt puis la maison comme lieu de gestation, naissance, avec un feu vital, un personnage qui avance pour un autre dont on voit l'ombre et qui disparaît, un personnage de dos devant le feu, bref, échange de corps, naissance brutale avec maison assiégée, armes coupantes, le pont coupé façon ombilique, le contact avec la police aussi, reste la radio girl de tout gros jeu d'action moderne viril, Metal Gear Solid 1 compris, qui a aussi valeur de mère, à distance, magique, redoublant la voix entendue au tout début, flamenco pour Resident Evil 4, chant africain pour Resident Evil 5, on reste dans le cliché. Bref, jolie voix puis femme, donc naissance. Elle est meilleure dans le quatrième opus, même si la fille reste un monde oral, à part, celui de la pensée face à l'action. Les hommes de Mars et les femmes de Vénus, clichés bourbeux face auxquels le Japon ne fait pas exception. On libère ensuite un loup, on trouve notre collègue brûlé, la cloche du village sonne, au climax d'une scène de pression. Les hommes vont à l'église de façon irrépressible, la porte se ferme derrière, église dans laquelle les zombies spermatozoïdes entrent, sexe féminin qui mène à une trappe, tunnel, cimetière, aux divers enfants morts et à la véritable église où Ashley, la femme que l'on cherche, est enfermée. Sexualité et religion sont intimement intriquées dans une approche de level design et de symbolisme sexuel continu dès l'ouverture. La différence entre Resident Evil 5, 4 et Silent Hill 2, c'est aussi le montage et le cadrage. Silent Hill 2 est serré, lent, peu découpé. Resident Evil 4 déjà moins serré, moins lent et plus découpé. Et le cinquième va plus vite vers plan large, rapidité et surdécoupage de l'action avec gros plans spectaculaires et assez fort contraste dans l'échelle des plans, plutôt malvenu pour aider l'immersion. J'imagine qu'une certaine égalité dans la mise en scène crée une meilleure continuité, aide la pénétration, sauf si les plans serrés ont un impact particulier, sur les yeux par exemple, mais dans ce cas il faut oublier l'idée d'un montage spectaculaire. Les gestes rapides perdent l'immersion progressive du joueur. Les corps fixes, on les voit bien, on se les approprie, on tourne autour, et on commence à les pénétrer. Mais s'il faut déchiffrer des mouvements complexes, une mise en scène sophistiquée, rapide, des personnages qui parlent, etc., on n'aide pas les forces profondes à opérer sur le joueur. Et de ce côté, Resident Evil 4 trouve un assez bon équilibre avec une caméra épaule qui se prête bien sûr à l'action et qui agit très bien sur la peur parce que c'est serré sur le personnage, qu'on voit assez peu autour. Léon occupe une grosse place de l'image et cache une partie de l'action, facilitant les surprises, et la connexion joueur-personnage est assez avancée, peut-être plus pour un joueur masculin, public clé de Capcom je crois, vu la représentation des femmes, élément secondaire souvent, central parfois mais presque toujours érotisé. Dans ce jeu, le dosage est aussi malin dans le détail. Le loup que l'on libère, c'est l'animal solitaire enfoui. Le joueur se sent libre. Ça présente également un piège récurrent du jeu, et quand on reverra des loups, plus tard, on ne s'attendra pas à voir des monstres façon The Thing, parce que plusieurs fois avant, le loup aura été passif ou allié. Donc le jeu dose très bien son matériau à divers moments, mais là je m'égare. En tout cas, l'animal sauvage, symbole d'enfance, liberté et vie, ça marche toujours très bien. J'en ai déjà un peu parlé, les animaux fascinent les enfants, créent un lien très fort, chiens et chats notamment parce qu'ils sont connus et domestiques. Cela revient à créer du lien à peu de frais que d'intégrer des animaux en début de jeu, équivalent vidéoludique du petit chien docile de la peinture royale, domestication, civilisation, obéissance, etc. En résumé, voix féminine, monologue intérieur, personnage qui urine donc effet de réel, corps incarné pour un personnage qui se vide et va très vite mourir, canyon et passage d'un pont, contact féminin puis maison, héros, silhouette, homme de dos, bref, multiplication des points de vue et des états possibles, ombre, homme, zombie, allié disparu, bientôt cadavre brûlé ou noyé, et présence animale avec corbeau et chien, il y a tout ce qu'il faut d'effet de naissance. Et tout ça c'est bien parce qu'à mon sens ce n'est parasité ni par le côté cinéma, ni par le contenu horrifique. Plus posé que Resident Evil 5, qui pousse le spectacle vers le film en perdant le jeu, au contraire ici c'est du suspense et on se concentre. Un bon survival horror fait peur sans doute, mais immerge aussi bien son joueur pour que la peur s'enracine au mieux. Il ne suffit pas de balancer des images terrifiantes, il faut les organiser. Organiser les symboles, les mouvements d'une chose à l'autre et l'interaction dans la peur. J'ai tendance à penser que le cinéma d'horreur, même s'il peut sembler facile de faire sursauter avec pas grand chose, est forcé à l'intelligence, l'expérimentation, la recherche de nouveaux assemblages et paradigmes, nouvelles définitions de l'espace, l'éclairage, etc. Que loin d'être l'emblème d'une industrie de consommation pour adolescents, le cinéma d'horreur est un vrai espace de réflexion théorique, pragmatique, de limites repoussées, esthétiques, morales, parfois de façon facile, mais souvent avec beaucoup d'idées. Un bon film d'horreur est obligé de repenser le cinéma.
Quand on met la peur dans l'équation, ou le rire, comme diraient des proches, on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut que la sauce prenne vraiment. Et dans Resident Evil 4, je trouve l'horreur bien organisée, qui presse un peu son joueur, exige toute son attention, et on digère mieux les effets visant notre immersion. On pourra dire normal, c'est la facilité de l'horreur, ça marche toujours un peu, ça attire l'attention ou au pire ça fait rire, mais faire un jeu d'horreur intéressant dans ce qu'il exprime, fait ressentir et qui met en branle une angoisse profonde ou sophistiquée me paraît un défi toujours immense à relever et Resident Evil 4 se situe pas mal dans tout ça. L'accord fond-forme est moins puissant que dans Sirène, où l'on enchaîne vue subjective d'horreur du slasher, véritablement cinématographique donc, passive, et jeu à la troisième personne, point de vue tous deux voyeuristes, ou encore le jeu Michigan et sa caméra, mais l'équilibrage de l'horreur n'est pas le sujet, c'est juste pour dire que souvent le survival horror gâche les effets symboliques et psychologiques du début, parce qu'il compte trop sur l'apport de la peur, alors que s'il prend soin d'établir d'abord un lien solide et riche entre joueur, personnage et jeu, même les effets de surprise et les sursauts à petits frais auront de l'impact. Si en plus les idées horrifiques abondent, ça sera panique, comme dans Enemy Zero dont j'ai parlé il y a longtemps, ouverture lente, très riche de symboles de naissance, nudité, vaisseau en forme de cœur, tunnel, lumière, corps invisible qui envahit l'espace des personnages et de l'héroïne, métaphore renversée du joueur peut-être, monstre violent ici un vaisseau paisible et endormi, photo d'archives subliminales noir et blanc, puis photo de couple menant à un corps endormi, écran dans l'écran, mise en abîme répétée pour un monde et un temps à la fois éloigné et intime, du côté virtuel de l'écran une femme naît, de l'autre un homme meurt, le joueur réel fait place à l'héroïne. Introduction passive, puis interaction très limitée avec toujours beaucoup de moyens symboliques et narratifs, puis un déplacement 3D libre, étape par étape, et après, bien après, on lance les mécanismes visant à terroriser le joueur, ça c'est du très grand dosage pour un jeu qui semble n'être qu'une vague ressucée du film Alien. Soigner le début d'un jeu revient à faire attention à l'ordre d'apparition des choses pour conserver le noir, la magie, les forces profondes le plus longtemps possible. Dans l'idéal, sur console par exemple, il ne faudrait pas ouvrir avec le logo machine ou éditeur et concepteur. Un éventuel signe distinctif des jeux industriels soignés, c'est notamment de bien se servir des éléments de publicité plus ou moins imposés. Les logos Sega Mega Drive, Conker sur Nintendo 64 ou Planescape Torment avec son dragon. Tout ça pour des jeux qui essayent d'être uniques, quoique sur Mega Drive la personnalisation du logo était une mode. Mais en tout cas, tout est exploitable. Attract mode, clip cinématique, sexy ou bande-annonce avant l'intro narrative. Par exemple, le clip de Silent Hill 2 contient des bouts de cinématique du jeu, mais pas seulement, et pas n'importe lesquels. Maria demandant face caméra au joueur s'il la reconnaît, s'il ne la confond pas avec une autre personne, et qui nous dit déjà « tu as toujours été si distrait », s'adressant à un personnage et joueur amnésique, finissant l'intro, qui montre aussi le héros en silhouette, entre autres choses, par « je suis là pour toi, James, tu vois, je suis réel », en posant sa main sur son visage. Donc même cette bande-annonce très cinéma, que le jeu vidéo de l'époque s'impose souvent et qu'on nous propose de regarder juste avant de commencer à jouer, même si c'est plus pour tourner en boucle en magasin et appâter le chaland, même ce clip ne fait pas que du sexy excitant. Il garde le mystère du jeu, ce qui n'est pas le cas de toutes les bandes-annonces, et redouble les effets d'ouverture qui viennent juste après, au moment du début véritable du jeu. C'est pareil pour le clip d'intro de Panzer Dragoon Saga, avec son imagerie portée vers le symbole, l'abstraction presque, femme, silhouette, flotte, énergie, tour au milieu de la mer qui concentre le passé et le futur du monde, et aussi les forces sexuelles à venir dans le jeu, que l'on trouve dès l'introduction narrative, juste après. Bref, tout est affaire d'organisation et de chronologie. Les symboles de naissance sont aussi très courants en fin de jeu. Chrono Cross et sa bonne fin, Shadow of the Colossus et son symbolisme filé de la vie, comme dans Journey, Panzer Dragoon Saga, naissance, vie, mort, cycle. Après la douleur viennent vie nouvelle, lumière, liberté. Mais le thème de ces émissions, c'est la façon d'introduire le jeu, pas d'en sortir. Les multiples étapes des adieux au jeu, c'est un sujet à part entière. J'essaye de m'en tenir au commencement. On peut peut-être voir le début de jeu comme une forme de symbolisation primaire, concept psychologique. Et la mère ou l'animal, par exemple, comme objet transitionnel vers la formation d'un moi, celui, croisé et temporaire, du joueur-personnage. Par exemple, les statues et statuettes à l'intérieur de ruines, civilisation originelle qui exprime peut-être le monde des parents, et un corps qui s'anime, le nouveau-né, mais aussi le héros possédé par le joueur, tel un golem, poupée ou zombie vaudou, Kyonshi Nippon Jiangshe chinois, cadavre ou création animée par magie, ordre écrit ou télépathie, avatar parfait ou objet transitionnel, doudou à délaisser pour grandir.
C'est aussi pour ça qu'un corps qui s'anime ou se recompose, humanoïde ou animal, fait très vite office de premier boss. C'est l'enfance à laisser derrière soi, le corps d'un pantin instable ou animal donc, que l'on quitte pour le royaume des adultes. Pour Winnicott, il y a un état initial d'illusion d'omnipotence, ici le début de jeu, que la mère entretiendrait en nourrissant à la demande l'enfant, puis s'ensuit la désillusion et la frustration nécessaires. Le jeu old school travaille assez ce chemin, avec une forme punitive et rigoureuse, un capital à accumuler, qui sera ensuite rogné. Moins on fera d'erreurs, plus on aura de vie donc de moyens pour la suite du jeu plus rude. Le jeu moderne me paraît plus souvent dans la satisfaction continue et l'accumulation infinie, même si fondamentalement c'est peut-être pas si différent. Bref, le jeu répéterait la petite enfance et la formation du moi, suivi de la discipline scolaire. J'ai parlé de transfert du joueur au jeu, transfert est aussi un terme psychanalytique, et peut-être qu'il se joue quelque chose de cet ordre. Notamment avec le jeu qui nous réchauffe, nous remplit, dans lequel on se sent vraiment habité. Le jeu qui constitue un foyer, dépositaire de quelque chose qui nous appartient, selon l'âge auquel on joue également. Le jeu qui serait lui-même un objet transitionnel. C'est fini pour la naissance, mais j'ai beaucoup parlé de ventre maternel, et on verra donc dans la partie suivante une façon de pousser ce sentiment de cocon au départ d'un jeu, avec la maison. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.